Salut à toutes et à tous, ici Kalion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Aujourd'hui nous allons continuer la saga spéciale et faire par conséquent c'était quoi déjà? C'était Broly, voilà, le super Saiyan légendaire qui ne savait dire que carotte. Et donc nous allons affronter Broly dans un ultime combat pour sauver la planète. Ok. Taking a much-needed break before their battle with the androids, the Z-Fighters enjoyed spending time with family and friends. Suddenly, the legendary Super Saiyan, Broly, appears. He attacks the Z-Fighters with an overwhelming power that could destroy the planet with one attack. Voilà, bon. Alors, de ce fait, il va y avoir un combat assez violent, hein, puisque c'est quand même Broly, c'est une grosse brute, c'est un mec assez énervé, comme on dit. Et par contre, je sais absolument plus si c'est long comme combat. Kakarot, the slaughter will begin with you. Alright, let's get this fight started. The legendary Super Saiyan. We're gonna die. We're all gonna die! He's the legendary Super Saiyan! Donc du coup, Vegeta fidèle à lui-même, hein. Quand il arrive pas à gérer quelque chose, bah, c'est une petite taviole, hein. Donc là, cette fois, c'est différent, on ne va pas jouer du côté des gentils. On va jouer du côté de l'ennemi, c'est-à-dire qu'on va incarner Broly contre Goku Super Saiyan 1, et j'en prends plein la gueule, c'est assez relou. Mais c'est pas grave. Mais on a l'occasion de jouer Broly Super Saiyan légendaire, direct en Super Saiyan légendaire, pardon. Parce que oui, il y a Broly, Broly Super Saiyan et Broly Super Saiyan légendaire, qui est la forme que nous avons actuellement. Mais ouais, ça fait plaisir, comme ça on peut voir un petit peu comment il se joue, et surtout les patates qu'il colle. Puis on peut taper Goku, ce qui est très rare en fait. Il arrête pas de tout dodge, ça devient chiant. Tu vas tâter de mon ulti. Oh, ça fait tellement mal. Ouais. Ah, ça fait extrêmement mal. Ah oui, putain, je l'ai totalement tué, là je l'ai OS, on est d'accord. I thought I was pretty tough. He's on a whole other level. Come on, go easy on me! Go easy. Stop! You can't beat him! He's the legendary Super Saiyan! Another insect has come to die. Do your worst. Alors là, Broly va en mettre plein la tronche à tout le monde en fait. Et il fait tellement mal, regardez. C'est vraiment la violence gratuite ce truc. Bon, est-ce que je vais pouvoir jouer au bowling? Oui, parce que son ulti me fait toujours penser à un mec qui joue au bowling en fait. Genre. Ça. Non. Est-ce qu'il va faire un strike? Toujours pas. Oh oh. Non. Oui. Oui, je l'ai annulé, je suis trop fort. En fait, Piccolo, son truc pour son ulti, si vous êtes suffisamment proche, il faut le taper au moment où toutes ces sphères vont tomber dessus. Comme ça, en fait, le fait qu'il prenne un coup, ça annule son ulti, tout simplement. On sent bien le mec qui s'est fait annuler son ulti plein de fois en fait par le passé. Donc deux mecs, il en loupe pas une pour faire de même en fait.
Arrête! T'es où? Non, en train de se chercher. En fait, je l'ignore, c'est ça en fait. What? Mec, tu vas te calmer par contre. Tiens, regarde. Moi aussi, je sais le faire. Attends, regarde. Moi, j'en vois plein de boules en même temps. Et ce qui est marrant, c'est que je prends aucun coup en fait. Enfin, au cac et tout, je prends rien. Sauf les coups chargés. C'est ça qui est pété en fait. Avec... qui rend ce combat assez facile en fait. Pourquoi quand je dis ça, il m'arrive toujours un truc, mais quand je dis rien, il se passe rien. Pourquoi? Voilà, de faire la sauterelle par contre. Ah, ça c'est un grab. Ça. Ou alors j'ai rien compris. Attends, les gars. Non. Putain. Mais non. Ok. Stop. You can't beat him. He's the legendary Super Saiyan. Hop. Mange mon ulti. Toi, tu vas te le prendre, t'es gentil. Ah bah voilà. Il fait tellement mal en plus. Oh là 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 là, presque deux barres quoi. C'est énorme hein. C'est vraiment énorme. En fait, j'aurais pu faire un versus avec son truc. Je suis débile. Sympa de manger des immeubles hein. Pouf. Ouais, Broly du coup, vu qu'il est invulnérable presque aux attaques physiques, ça en fait un personnage vraiment dangereux quoi. Puis ça rend aussi le combat très facile. Bon alors le truc c'est que on a joué Broly, c'est sympa, ça va, ça met quelques patates, ça défonce les gens. Mais le truc c'est qu'il va y avoir un autre chapitre normalement. Et on va devoir faire l'inverse. Du coup on va jouer dans le camp des gentils, on va se faire défoncer par Broly, on va devoir le tuer. Là ce sera moins fun en fait. Ouais voilà, là ce sera beaucoup moins cool en fait. Non parce que sinon ça aurait été trop simple hein. Puis n'oubliez pas que ça retrace l'histoire de Broly. Donc du coup si Broly avait vaincu tout le monde, il n'y aurait jamais eu la suite et tout le monde serait mort. Donc forcément on va nous mettre le combat avec Goku contre Broly, mais Broly contre nous quoi. Et c'est moins cool. The Z Fighters are driven into a corner by Broly's fierce attack. Gohan, Piccolo, Trunks, and even Vegeta entrust their power to Goku. Goku fights with Broly in a massive battle using the power gathered from those around him. A noter aussi que dans le la saga Broly sur BT2, elle était relativement longue et il y avait quand même pas mal de combats inutiles. C'est surtout dans cette saga là que j'ai repéré pas mal de combats inutiles avec celle de couleur. Enfin, Metal Couleur plutôt. Mais bon. So, the trash is still alive. We can't let him keep going like this. I'm not going to lose. Come on then. This place will be your grave! Goku! Darn it! I have to give him my power! Ces paroles fortes, cet endroit sera ton tombeau. Donc voilà, là ce sera moins cool. Parce qu'il a beaucoup de vie, il m'est cher, et surtout il ne sent pas les coups. Si je déconne, non je déconne pas en fait. Oh là 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 là, j'ai perdu une barre gratuitement. Je peux rien faire, hein. C'est vraiment. C'est la joie. Pfff.
merde. Ah, j'ai oublié. Oh, le débile, quoi. Ah, il perd pas de vie, c'est fait exprès, donc. Ou alors... Attendez. Là, maintenant, normalement, il pourra pas l'esquiver. Parce que l'ordinateur, en fait, je vous explique, il est tellement con qu'il continue son casque pour avoir la puissance maximale, même au dernier moment. Donc, oui, oui, il prend pas de dégâts, donc oui, c'est fait exprès. I need your power. I need the power to defeat him. Give me your power. I am the same prince, the prince. Why should I help you? Why should I help you? Everyone, lend me your power. It's our only chance to stop. Ah mais non, mais j'ai... Oh mais... Pourquoi tu me fais ça quand je regarde pas? Moi j'étais en train de lire. Oh oh. Bonjour, je ne possède plus d'anus. Oh oh. Vernulti, je suis mort. Hein. Ouais, largement même. RIP. Oh là 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 là. RIP in peace x 10 000. Salut. Oh, même pas. Bien alors. Regarde comme on est bien. Non mais je peux le faire très longtemps ça. C'est juste une question de timing en vrai. Sauf si tu te barres là, c'est vrai que c'est moins fun. Oh non, c'est anti-jeu quoi. Oh mais please. C'est anti-jeu. Donc du coup je reviens plus fort que jamais hein. Ne m'oublie pas. J'arrive hein, j'arrive. Ah du coup je l'avais dit hein, ce sera plus simple. Mais non en fait pas du tout. Ce sera bien plus dur. Je pense que je vais galérer comme un cinglé. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Bon, it's time. Not to fap, but to exterminate you. Let's go! D'accord. D'accord. Oh, l'arbre texture était dégueulasse. En fait, le but là, c'est de survivre. Donc, plus il est loin de moi, moi ça me va. Hein. Là, je le sentais venir, le troll de l'ordinateur qui reste devant toi et qui dit « Lol, nope, je bouge au dernier moment. » Oh là là. Et moi je le face comme un con. Là je perds tellement de vie. Miaou. Il peut pas juste se prendre quelques baffes. Voilà. C'est tout ce qu'on veut, hein. Ah bah voilà. C'est stylé, ça, mais tu vas te le prendre, en fait. Hop. Bon, on peut avoir l'animation quand il est plus invulnérable, là, ce serait cool, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Everyone, let me your power. Allez. Salut! Moi franchement ça me dérange pas. Hein. Au contraire. Je trouve que c'est important le spam. Bonjour, je fais une démonstration d'anti-jeu, ça va? Oh merde! Oulala! Oulala! C'est un ulti! Bon ça va. Très dur ce combat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai galéré. Impossible. Looks like we won. Thank you, Goku. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que je maîtrise la technique ancestrale du spam. Oh la vache.
C'était trop bien. C'est un combat très facile. Kappa. Bon, c'est vrai que c'est pas cool de spam, mais pour ma défense, eh bien, j'ai pas envie de perdre sur ce combat. Quoi. Voilà. Non, en vrai, c'est vrai que c'est pas cool de spam. Mais il le fallait pour le bien de la planète. Allez, sinon, Broly, il sortait vainqueur, c'est pas bien. Ok, donc là, c'est contre des guerriers galactiques, ouais. Donc Zangia, qui est la fille, et l'autre, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il est super chiant. Ok. The Cell Games concludes with the great sacrifice of Goku's death. However, because King Kai's planet was destroyed, a great evil awakens from its long slumber. The Z Fighters, who were participating in the big world tournament, are attacked by the Galaxy Soldiers. Hop. Donc oui, en fait, dans le contexte, c'est pendant les championnats du monde et c'est Krillin qui se fait attaquer par cette mystérieuse jeune femme dans le désert. Pendant qu'il y a les tournois de championnat d'arts martiaux du monde. You're fighting me. I'll be nice to you, promise. Whoa, she's hot. But I won't hold back just because you're a woman. D'ailleurs, à ce moment-là, il dit qu'elle est mignonne, mais je crois que C18 est déjà sa femme, hein. Donc bon, ça sent l'homme fidèle. Ah, je joue... Ouais, je viens de tilter, en fait. J'aime pas ce perso, en plus. Je me fais défoncer par Krillin. Bon, alors, ça suffit les conneries. Ouais, bah oui, il se TP comme il veut, bien sûr. Par contre, c'est Kikua son stylé. On va pas se mentir. Eh ben non, ça ne marche pas. Hop, mange. Donc ça, c'est un enchaînement qui fait tellement mal. Voilà. Le dernier coup est juste totalement mortel. Oh oh. Juste à se décaler quoi. C'est gratuit contre il hein. Oups. Il y a un bruit d'écho dégueulasse. Pouf, pouf. Bon, c'est normal qu'on défonce Krillin, hein. C'est normal. Au contraire, ce serait inquiétant. Alors comme ça, on veut spam dès que j'arrive, hein. Enfin, dès que tu arrives plutôt. Voilà. Donc là, on affronte Sangora à dos Super Saiyan 1. Hey kid, Earth is a great planet, huh? Incredible. Who are you? Donc c'est Bojack, Bojack pour les intimes. Et c'est un peu le méchant qui s'est réveillé. Et pété d'ailleurs ce perso. Mais viens là! Je vais pas te faire de mal. Ok. Attrape. Arrête de fuir, putain, il va me rendre fou ce mec. Bon, arrête ça. Well, boy. He's even stronger than I thought. Et on va se transformer évidemment. Hulk. Voilà. Donc ça va être la même façon que Broly précédemment. On va faire un combat avec les méchants, comme ça on défonce les gentils. Puis après on doit jouer les gentils pour défoncer les méchants qui sont complètement cassés. Voilà, c'est un petit peu le principe. Oh, oh, j'ai fait une belle lucarne là. A
lousy opponent. Parce que oui, de toute façon, dans l'histoire, à chaque fois, les ennemis, très, très souvent, hein, ils défoncent littéralement tout le monde. Il reste que Goku à la fin. C'est devenu une habitude. Donc maintenant, il va y avoir la deuxième partie. Hein, vous prenez l'habitude désormais. Nous aurons la chance de jouer contre Bojack. Vous allez voir qu'il est super chiant. Sauf que là, en fait, contrairement à toutes les autres fois, Goku est mort pendant le Cell Games. Du coup, il est mort. Du coup, il peut pas affronter Bojack. Du coup, ça va être Gohan qui va devoir se coltiner en Super Saiyan 2, si je dis pas de bêtises. Vu que Son Goku est actuellement mort, laissé day, tu vois. Donc, on ne peut pas l'appeler, on va dire. I'll destroy you too. I guess we can't do this without my dad after all. Allez, c'est parti. Tu vas périr de ma main, Bojack. Bojack, calme-toi. C'est pas ta guerre. Regarde, c'est pas ta guerre. Tu vois? Non, tu vois pas. J'ai pas encore les cheveux longs pour faire ce que tu fais, mais bon. Ah ok, y a pas de versus avec ça. Non mais arrête! Sinon je spam. Alors là... Oh, c'est le moment. Oh oui! Oh, c'était magnifique ce que j'ai fait. C'est genre, j'ai cassé l'ulti. Mais juste avant que l'animation se fasse, je me suis TP sur le côté. Oh, c'est trop dur à faire! Oh là là, je suis trop fort! Aïe! La cinématique, s'il vous plaît. J'ai fait un truc de BG là, je mérite. Je mérite la cinématique là. Get angry! Show us your true power! Dad! Allez, transforme-toi en Super Saiyan 2 STP. Non, merde, c'est le mauvais truc ça. Ah non, finalement, ça va. Je pensais que les techniques au cac ne passaient pas sur lui en fait. Apparemment si. Tu vas te calmer. Calme-toi. Ça va aller. C'est pas le moment de faire le... Genre, mange mon caméa. Ok. Et les choses sérieuses vont commencer. Dad, my father saved me. Then he said you weren't going to get away with this. He told me. Allez, c'est parti. Ça va être facile. Genre, putain, mais j'étais derrière lui, c'est quoi ce cheat? Ah! Ne jamais tourner le doigt à son adversaire. Mais c'est pas grave. De toute façon, je te bats. Tiens, meurs. Voilà. Caméra père au fils. Boum! Allez, au revoir! A plus en LAN! John, how could I be beaten by someone like him? I told you, don't underestimate me. Et voilà, donc on a vaincu Bojack. Bojack le ténébreux. D'ailleurs, c'est dommage, on n'a même pas vu son acolyte se faire battre aussi, du coup. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Donc du coup, ce sera tout pour cet épisode numéro 14 de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Dans le prochain épisode, nous ferons normalement Jamemba, si je dis pas de bêtises. À voir. Non, c'est pas encore Jamemba. C'est le retour de Broly, qui est toujours aussi vénère. C'est vrai qu'il y avait deux épisodes avec Broly, j'avais totalement zappé.
Sauf que là, ce sera Gohan qui va s'en occuper. Gohan adulte, qui va lui défoncer la gueule d'ailleurs. Et après, ce sera Jamemba et Hildegard. J'arrive jamais à dire son nom. C'est pas grave. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et au prochain épisode. Allez, salut!